Les amis, j'en ai marre. On va parler de ça. Non, pas cela. Je parle plutôt de ça. Ou ça. Ou éventuellement ça. One! Welcome tout le monde, c'est Gali. On se retrouve pour une vidéo. Alors, maintenant, c'est devenu un peu une chaîne aussi vlog. Ou en tout cas, où je vais donner aussi mon avis sur certains points d'actualité. Et l'actualité aujourd'hui, évidemment, comme tu peux voir sur la photo, c'est ce couple de patineurs. Je parle bien sûr de Papadaki et Cizeron. Hein, le couple français de patineurs qui ont joué au JO de cette année. Et oui, bah, de toute façon, tu vois bien sur la photo, tu les reconnais bien. Il y a un truc qui m'énerve en fait, c'est sur YouTube, les buzz comme ça. Alors je sais que c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est un truc qui me. Ça me saoule de voir des trucs comme ça sur YouTube. C'est un peu comme si je te mettais une fille un peu sexy en train de se déhancher pendant toute la vidéo pour que tu puisses regarder la vidéo jusqu'au bout. Et. Ouais, je sais, c'est ce que je suis en train de faire. Pourquoi ? Je vais te parler un peu là du putaclic. Par contre, si tu pouvais partir. Alors, il y a des putaclics, je trouve que ça passe, et puis ok, d'accord, on pourrait, pourquoi pas, de temps en temps, faire du putaclic. C'est pas un truc qui me dérange, et je pense que je pourrais être le premier à le faire de temps en temps, mais pas un truc énorme. Là, aujourd'hui, ce que je vois dans les tendances YouTube, c'est quoi? C'est de voir cette vidéo. Alors, vous savez bien que cette patineuse, je ne montrerai pas les images parce que. Ou alors, je montrerai des images plus belles que ça. Encore qu'elle a quand même fait un exploit. Les images sont belles parce qu'elle a quand même fait son exploit. Elle a quand même fait un sacré numéro à la compétition de patinage en couple. Et elle a fait une belle compétition malgré son accident. Son accident, c'était quoi? Si tu ne le sais pas encore, eh bien, il y a une de ses bretelles de sa robe qui s'est détachée. Et du coup, par moment, on a pu voir un sein qui était à l'air. Et oui, ça arrive. Dingue de voir un sein à l'air. C'est un truc de fou. Et en fait, ce qui m'énerve un peu, c'est que je vois que ça fait le buzz. Un sein qui est à l'air lors d'une compétition olympique, ça fait le buzz. Le buzz au point d'arriver à la deuxième tendance de YouTube, dans le YouTube français, tout compris. Alors, soit ça veut dire qu'on est très con, soit ça veut dire qu'on est très obsédé. En main à couper, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Ou alors on est très curieux parce que la plupart des gens ne savent pas. Je pense qu'il y a une partie qui ne savait pas, ils ont dit tiens, il y a eu ça. Mais il y a beaucoup de gens, je pense que juste pour voir un bout de téton, ça m'énerve en fait. Je peux comprendre qu'on veuille voir la vidéo, de voir comment elle s'est débrouillée, machin, etc. Là, les vidéos qu'on voit sur YouTube en top tendance, la première qui arrive en top, elle a fait 36 secondes. Et enfin, voilà, 36 secondes, juste pour. Alors, déjà, en plus, c'est même pas écrit en français après dans les titres. J'ai regardé quand même pour voir un peu de quoi il en sortait, justement, pour pouvoir en parler. Pour dire peut-être qu'ils vont, je sais pas, peut-être un peu travailler un peu la vidéo, même pas. Ils mettent des extraits, ils mettent des textes en français sur une autre vidéo, pas la première. La première, je sais même pas en quelle langue c'est. Et ils balancent ça sur le net parce qu'ils vont se dire, ah, ça y est, regarde, un bout de téton, évidemment. Je te laisse imaginer l'image putaclic que tu vas mettre dans ta miniature, hein, on a deviné. Et bien en plus, d'ailleurs je pense qu'ils ont dû soit avoir un avertissement par YouTube ou il y a eu autre chose parce que dans la journée, je me rappelle, j'avais vu ça le matin, déjà elle n'était pas en top 2, elle était un tout petit peu en dessous. On voyait vraiment la photo avec le sein quoi, hein, vraiment le putaclic à fond. Hein. Mais évidemment, normalement ça passe pas pour YouTube ce genre de vidéo, ce genre de photo, ils sont même un peu couillons parce que directement ils devraient dire mince, on aurait dû au moins flouter le téton, ça serait passé, ou mettre une croix, tu sais, comme un peu les femmes qu'on peut voir avec les croix ou des décorations au niveau des tétons. Et dans la journée, ça arrivait top 2. Évidemment, les seins ont été cachés, les seins ont été floutés, mais je trouve ça dingue que ça devient en top 2, quoi. Heureusement, en top 3, et c'est que malheureusement, il arrive en top 3, on arrive la victoire du relais tricolore, hein, avec Fourcade, etc., où ils sont arrivés premiers, ils ont la médaille d'or encore une fois, ils arrivent que top 3, c'est quand même triste. Que, alors peut-être que ça a changé dans la journée, dans la soirée, j'espère un petit peu quand même qu'on a un peu plus d'intelligence que ça, que de regarder une vidéo pour des tétons et qu'on regarde pas une victoire d'une équipe. Ça me rend dingue en fait ces histoires-là, ça me rend fou sur YouTube, t'as vu, je suis un peu en colère, bah ouais, parce que je me dis, waouh, juste pour des tétons, on arrive en top. Et juste pour faire du buzz, voilà. C'est ça que YouTube, des fois, essaye aussi de on se dit, ah, mince, on va y mettre des trucs en place, etc. J'ai presque envie de dire, et les mecs, parce qu'à mon avis, il y a quand même beaucoup plus de mecs qui regardent cette vidéo que de femmes, je pense. Et même s'il y a des femmes qui regardaient, c'était peut-être plus pour voir, oh, mince la peau. Enfin, je sais pas, je pense pas, j'ai du mal à m'imaginer toutes les femmes en train de dire, à regarder juste pour voir un bout de téton, ou alors peut-être pour dire mince la peau, je sais pas, ou alors, ah, pff, la conne, je sais pas comment elles auraient pu réagir. Je pense qu'il y a des mecs juste pour voir un bout de sein qu'on verrait pas d'habitude, et bien ils ont été cliqués là-dessus. Oh, elle est mieux que je le pensais. Ah oui, c'est tout à fait mon genre, et je la sens déjà folle de moi. Qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action? Ça me plaît beaucoup, j'aime les femmes qui vont droit au but. Alors venez, je suis prête. Non, me voilà. Je le savais bien que tu essaierais de profiter d'une jeune fille sans défense. Je sais pas, je trouve ça qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette société des fois par moment. Que ça tombe en top 1, en top 2 pardon, en top 2 pour l'instant, peut-être que ça va encore remonter. Et puis les titres en plus c'est ça, deuxième position, on voit un coup de téton.
En top 4, juste. Alors en fait, t'as top 2 avec un téton, top 4 en téton, qui parle. Oups, la patineuse Gabrielle Papadaki dévoile un téton lors de sa performance. Et ça clique. Et ça dure une minute 18 où tu vois quasiment que des figures. C'est flouté parce qu'ils savent très bien que s'ils floutent pas leur vidéo, elle va jarter. Mais je trouve ça complètement pitoyable de la part des gens qui font du buzz avec ça. Est-ce que je peux comprendre? Je peux comprendre des fois qu'on veut faire du buzz avec une information, tant que ça reste dans le respect, mais des choses comme ça, je trouve ça bof. Franchement, voilà. C'est mon petit coup de colère. N'hésite pas à toi à me dire ce que tu en penses, mais voilà, je trouve ça vraiment bof en fait. Je sais pas, je suis en colère, mais je trouve ça bof, je trouve ça nul. Je trouve ça, voilà, voir des tops comme ça, il y a des vidéos qui sont largement plus travaillées, des vidéos sûrement plus intéressantes, qui mériteraient sûrement largement plus d'être en top. Mais évidemment, dès qu'il y a des images comme ça, ou alors on va mettre des tétons sur toutes nos images. Je pense que j'ai commencé à faire ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans mes miniatures, à mettre des tétons un peu partout sur mes miniatures. Je suis sûr que tu fais une vidéo avec des tétons comme ça, je pense qu'il y a moyen que ça passe bien quand même. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Ah, Gali, il faudrait que tu y penses. Ouais. Je te dis, maintenant, c'est une chaîne où on va parler de différents sujets, ça peut être jeux vidéo, etc. Bon, on peut avoir des sujets un peu plus sérieux, et en plus, qui parlent un peu de YouTube. Parce que des fois, on se dit, ouais, YouTube, ils mettent de la politique en place et tout, c'est chiant, machin et tout. Mais quand on voit ça, des fois, c'est normal. Même si ça ne sera pas directement puni, mais c'est normal. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, à t'abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à partager la vidéo si tu veux. Et moi, je te dis à bientôt sur la chaîne GaliWeb. Salut !